Oh,
tu peux acclamer le Seigneur qui te donne la victoire grâce à Jésus. Tu peux témoigner, je suis victorieuse. Tu peux dire, je suis un conquérant grâce à lui. Tu peux dire, je marche dans la victoire. Alléluia. Je suis victorieux.
Je veux le dire une fois encore, Éternel, pour tous tes œufs, oh, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, mon Dieu. Reçois ma reconnaissance. Oui, Éternel, Éternel, pour toutes tes œuvres. Pour toutes tes œuvres. Oui, mon âme. Tu es mon Emmanuel. Tu es Emmanuel, éternel Dieu. Mon ami Emmanuel, éternel Dieu. Celui qui ne trahit jamais. Celui qui n'abandonne jamais. Celui qui est à mes côtés. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse de ta part éternelle. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, tu es Emmanuel, 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 mon ami, Emmanuel. Emmanuel, 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 mon ami.
notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Our Father, our Lord, we say thank you. Merci pour ce moment. Thank you for this moment. Ce troisième jour de notre programme. This third day of our gathering. Nous te prions, Père, laisse ton esprit, le vrai enseignant, nous enseigner ce soir. We pray, Father, let the Holy Spirit, the true teacher, teach us this evening. Seigneur du haut des cieux, parle-nous au nom de Jésus. From heaven, Father, speak to us in Jesus' que name. Que notre vie soit une bonne terre pour la semence de ta parole. May our hearts become a good land for the seed of your word. Éclaire-nous. Lighten us. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Je prie que après ces enseignements, I pray that after this teaching, que notre relation avec toi, that our relationship with you, soit améliorée au nom de Jésus. Become better in Jesus' name. Les mensonges de Satan, lies from the enemy, qu'il est en train d'utiliser contre nous, that is using against us, soit exposé et vaincu au nom de Jésus. Let it be exposed in Jesus' name. Seigneur, bénis ton peuple. Father, bless your people. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va faire quelques requêtes de prière. Yeah. We are going to take two prayer points. Venez avec moi, Ephésiens chapitre 1. Let's read Ephesians chapter 1. Je vais lire moi-même rapidement. I'm going to read quickly. Pour qu'on gagne du temps. Save time. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Frère, écoute-moi. Brother, listen to me. Nous allons voir ça tout à l'heure. Le dessein de Dieu nous précède. The heart desire of God precedes us. Alléluia. Amen. Et mais Dieu a un temps. But God has a time pour que ce qu'il a formé en lui, à notre égard, comme dessein, soit accompli. So that what he has planned for us take time. Dieu a élu Christ pour notre rédemption avant la création du monde. He has elected Christ before the foundation of the world. Mais quand le temps est accompli, il a envoyé son Fils. But in the fullness of time, he sent his Son. Frère, tu vas élever la voix et faire une prière avec moi. You are going to lift your voice and do this prayer. Tu vas dire, Seigneur, je prie ce soir. You are going to say, Father, I pray this night. Que les conditions pour l'exécution de tes desseins à mon égard se mettent en place. Let things that need to work together so that your will in my life be fulfilled start to work in Jesus' name. Prie sérieusement. Pray seriously. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu va utiliser pour ça. There are things that God is going to use for that. Dieu a conçu comme dessein, il a décrété nous sauver, mais dans le même temps, il a élu Christ pour nous sauver. He has decided to si save each one of us and also decree that Christ is going to be the elected to make the plan work. J'ai dit, il a décrété nous sauver. He decreed to save each one of us. Mais dans le même temps, il a élu Christ pour venir nous sauver. At the same time, he chose Christ to come and save ça us. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a décrété sur ta vie, il y a un temps pour son exécution, il y a des éléments pour leur exécution. It means what? What God has decreed upon your life has a time of fulfillment and also have elements that must work for it. Frère, je prie pour toi. Brother, I pray for you. Que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre ces choses. May God give you the knowledge of understanding this. C'est des choses que Satan nous a cachées. Et nous sommes chrétiens, nous sommes là.
These are things that Satan have hiding from us. We are Christians just like that. Lève tes mains. Lift your hands. Père, ce soir, je prie. Father, I pray this Quelle night. Est condition pour l'exécution de tes desseins sur ma vie ou à mon égard commence à se mettre en place au nom de Jésus. What is needed for your will in my life starts to work. Father, let it start to work now. Prie in pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Pray for your husband, for your children, for your Une wife. Une chose est que Dieu décrète la chose. One thing is decree of Une God. Une autre chose est que les conditions se mettent en place. And another thing is for conditions Mon frère, to work together là-bas, for commence your à prier au nom de Jésus de Nazareth. Lift your voice and start to pray. Que les desseins de Dieu sur ta vie. May the decree of God upon your life. Père, ce soir je prie. This evening I pray. Que tes desseins sur ma vie. May your decree upon my life. Tes desseins à mon égard. Your decree upon my life. Les conditions de leur exécution. What is needed for it to be Se mettent en place. Starts to work Dans now. Dans chaque aspect de ma vie. In every area of que my life. Que tes desseins pour ma vie. May your decree. Les conditions de leur exécution se mettent en place. Let the conditions start je to work. Je prie pour les nôtres. Je prie pour les miens plutôt. I pray for my loved ones. Je prie pour ma femme, je prie pour mon enfant. I pray for my children, my je prie pour husband. Mon mari. Que les conditions de l'exécution de tes desseins à leur égard se mettent en place. Let everything start to work for my good. Mon frère continue à prier. Pray, insiste, my brother, insiste, pray, insiste, pray. Plaide. Insist in this prayer point. Plaide, pray, insist in this insiste. Prayer point. Insist in this prayer point. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon Père. May everything work together for Je your good. Prie ce soir I pray this evening. Que les conditions pour l'exécution de tes desseins sur ma vie. Execution of your will. Se mettent en place. Se mettent en place. Let it start to work now. Se mettent en place. Let it work for my Tout good. Tout ce qui doit œuvrer. Anything that must work pour for my good. Pour que tes desseins sur ma vie soient accomplis. Anything that must work for your plan to be fulfilled in my life. Se mettent à l'œuvre maintenant. Let it start to work for my good now. Mon frère, prie ainsi. Pray, my brother. Prie, insiste, pray, prie, my sister, insist on this. Mon frère, continue à prier. Continue to pray. Continue à insister. Continue to pray. Insist. Continue Les éléments d'exécution. Anything that is going to work for your good. Les choses que Dieu va utiliser. Anything that God must use. Pour l'exécution de mes desseins. For His plan to be fulfilled. Se mettre à l'œuvre. Se mettre à l'œuvre. Se mettre à l'œuvre. Let it start to work for your good. Mon frère, prie, insiste. Pray, insist. À partir de ce soir, nous allons From prier this un peu. Evening. Demain nous allons prier. Tomorrow again we are going to Et pray. Et dimanche ce sera la fin. On Sunday we are going to close. Mon frère, ces enseignements ne doivent pas être une information. This teaching is just information. Quelque chose doit changer dans ta vie Something après ce programme. Something must change into after this prayer. Mon frère, prie, insiste. Pray, insist. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Dis amen sur ta prière. Say amen. Frère, tu vas prier avec insistance. You must pray with insistence. Les éléments d'exécution de tes desseins. Things that must work for your good. Pour ma vie ou envers moi. In your life or through your Père, life. Instruis-les qui se mettent à l'œuvre. Father, instruct them to work now. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Les éléments d'exécution de tes desseins. Things that must work for my good. Mon Dieu, mon Père. My Father, my Lord. Instruis-les. Order them. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Command them. Où qu'ils soient. To start Quoi to work. Qu'ils soient. Anywhere qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. Who Qui se mette à l'œuvre au nom Whoever de Jésus. May be the person, Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. No matter the thing, let this start to work Les now. Les éléments d'exécution, ce que Dieu va utiliser. What God is going to use. Pour que cet dessein sur toi. So that His plan upon your life. Soit accompli. Be fulfilled. Dis Père. Say Father. Qui se mette à l'œuvre. Let it start to work qui for my qu'il good. Soit. Let it start to Quoi work for qu'il my soit. Good. Whosoever. Mon frère, prie, insiste. Brother, pray. Prie, insiste. Pray, insist. Oh, papa, je pray, prie insist, ce soir. Pray. Que les éléments d'exécution. Things that must work les for me. Choses qu'il doit travailler. Things that must work for my good. Les éléments qu'il doit travailler. Things that must work for my good. Pour que tes desseins pour ma vie so soient accomplis. So that your plan be fulfilled in my life. Instruis-les. Father, order them. Donne-leur des ordres. Command them. Qu'ils se mettent à l'œuvre. 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 To start working. Qu'ils se mettent à l'œuvre. For my good. Qu'ils se mettent à l'œuvre. To start working. Qu'ils se mettent à l'œuvre. To start working. Où qu'ils soient. For my good. Qui qu'ils soient. Whoever. Quoi qu'ils soient. Whoever. Whatever. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Let it work now. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Let it work now. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Let it work now. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Let it work now. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Let it work now. Se mettre à l'œuvre. Let it work now. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi Job. Let's read the book of Job. Alléluia.
Alléluia. Amen. 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 Job 23:14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Yes. Et il en concevra bien d'autres encore. Reprends bien. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te montrer. Frère, nous avons dit les décrets de Dieu nous précèdent. We said that the decrees of God precede us. Tous les desseins de Dieu ne font pas partie de ces décrets. Tous les desseins de Dieu à notre égard ne font pas partie de ces décrets. All His plans upon our lives are not decrees. Frère, Job a dit deux choses là. Job said two things there. Il accomplira ses desseins à mon égard. He said he's going to fulfill his plan upon my life. Et il va en concevoir d'autres. And he's going to plan more again. Ça veut dire quoi? Au cours de sa vie même. It means during his life. Dieu va concevoir encore d'autres desseins. God is going to plan again other plans. Ça là, ça ne le précède pas. This one does not precede him. No. Et ça ne fait pas partie de cet décret. And it's not part of his decree. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. I'm going to demonstrate. Lève seulement la main, nous voulons prier avec ça. Just tu vas lift dire que your tes desseins à mon regard soient accomplis. Say, Father, let your plan for my dans life chaque aspect de ma vie, Père, à partir de ce soir, que tes desseins sur ma vie soient exécutés. From now, let your plan upon my life be fulfilled in Jesus' name. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Brother, pray. Et demande à Dieu que ce qui doit exécuter, ça commence à travailler. Ask God for what is going to work for your good to start insist, working. Insist on this. Que tes desseins, ô Dieu. May your plan, ô God. À mon égard. Upon my life. Tes desseins à l'égard des miens. Your plan upon my life. Soit exécuté, exécuté, exécuté. Let it be executed. Job a dit, il exécutera sa dessein. He said, he will execute his plan. Il exécutera sa dessein. His plan à mon égard. In my life. Il va en concevoir d'autres encore. And he's going to make other plans again. Mon frère, prie, insist on this prayer. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Can you be seated, frère, please? On va plus trop retourner en arrière. Nous sommes en train de parler de l'élection divine. We are talking about divine election. Et ses avantages. And its advantages. Alléluia. Amen. Hier nous avons commencé à parler des bases de l'élection divine. Yesterday we started talking about basis of divine election. On a parlé de trois choses. We talked about three things. Un. First. Nous avons dit que selon la définition même de l'élection. According to the definition of election, le choix ou la désignation des élus ne dépend en rien de ces derniers. The choice of the elected does not depend on them. Deux. Second. L'élection divine repose sur l'amour inconditionnel de Dieu. Divine election lay on unconditional love of God. Sa grâce et sa miséricorde. His grace and mercy. Amen. Trois. Third. Nous avons dit que l'élection divine repose sur les décrets souverains de Dieu. And we said also that divine election lay on decrees, sovereign decrees of God. Et ici, je vais vous expliquer un peu. Qu'est-ce que nous entendons par décret souverain de Dieu? And I'm going to explain what do you understand by sovereign decrees of God. Amen. Amen. Frères, brothers. D'abord, first, suivez-moi parce que nous pouvons confondre dessein et décret. Don't be confused about plans and decrees. Le dessein de Dieu, d'abord, je vous l'ai expliqué plusieurs fois ici, c'est ce que Dieu pense en lui sur nous. The plans of God is what is thinking about us. Ce que Dieu pense en lui sur nous, is he thought about us. Il peut nous le dire. He can tell us. Yes, en ce moment, ça devient une promesse. And at that time, it becomes a promise. Vous me suivez un peu? Are you with me? Il pense en lui. What he think?
Il le dit. He said it. Ça devient une promesse. And it becomes a promise. Maintenant, il pense en lui. Now, within him is thinking. Et il décrète ça. And he decree it. Alléluia. Amen. Frère, brother, le décret de Dieu, God's decree, c'est le dessein arrêté de Dieu. Is what he has finally decided to do. Suivez-moi, je vais prendre juste, je prends le président de la République. I'm going to take the example of the president of the nation. Il peut penser quelque chose. He can think about something. Décider quelque chose. Decide something. Sur les citoyens ou sur la nation. Upon the citizens of the nation. Mais n'est pas ériger ça en décret. But not write it down so that it can be copied. Hello. Hi. Il pense. He's thinking. Je vais faire ça pour les Béninois. I will think this. I will do this for the Beninese. Mais à partir de moment, ce qu'il pense ou sa décision en lui, il peut décréter ça. But after the thought, he must write it down what he decides to do. Amen. Amen. Frère, le dessein arrêté prend une forme de loi. Brothers, what he has putting down, written down, has become a law. Le dessein, c'est en lui. The thought is in him. Il peut le promettre. He can say it and promise. Et il peut le décréter. And he can decree it. Amen. Amen. Donc, le décret divin, divine decree, c'est l'ensemble des arrêts de la souveraineté de Dieu. Is all he has decided as a sovereign God. J'ai dit premièrement, c'est le dessein arrêté de Dieu. I said it's what he has planned to do. Deux. Second. Le décret divin. Divine decree. C'est l'ensemble des arrêts de la souveraineté de Dieu. Is all that he has decreed and make as a law as God. Et comme je l'expliquais tout à l'heure. And when I was saying, tous les desseins de Dieu ne font pas partie de ses décrets. All the plans of God are not his decrees. Vous comprenez un peu la différence? Did you get the difference? Amen. Les gens de loi peuvent nous expliquer un peu. Lawyers can explain better. Alléluia. Amen. Ouais. Tous les desseins de Dieu ne font pas partie de ses décrets. All his plans are not decrees. Vous me suivez? Are you with me? Quand Job dit, when Job said, il accomplira ses desseins à mon égard, he's going to fulfill his plan et il va en concevoir d'autres. And he's going to make more plans. Frère, ce qu'il va en concevoir, ça c'est au cours de sa vie. What? Ça ne fait pas partie des décrets. What is going to plan again are going to come through the life that is not what he has yet. Vous me suivez un peu? Là où je suis. As I'm here. À cause de ma passion pour son travail. Because of the passion I have for this work. Dieu peut concevoir des desseins à mon égard. God can have more plans upon my life that he did not plan before. Mais ce que je fais maintenant là. But what I'm doing now. Ça, c'est un décret. Is a decree. C'est avant moi. It was before me. Vous pouvez comprendre ça? Did you get it? Tu veux dire quelque chose? Yes, comment? Projets de loi qui ne sont pas révélés au peuple tant qu'ils ne sont pas votés et qui ne deviennent pas de loi pour entrer dans l'ordonnancement juridique. Voilà. A simple example donc, I can give is in the assembly. Nous pouvons dire que les desseins sont des projets de loi, mais quand c'est décrété, c'est ça, ça dit, ça prend forme. Les décrets sont comme des lois. The simple an example that we can give is in the assembly. They have laws. As far as not revealed to us, it's still lost and cannot take place. Ce qu'il pense en lui, what is thinking in him, et qu'il n'a pas encore décrété, and il peut le modifier decreed, à tout moment. He can modify mais it. À partir du moment où il décrète ça, c'est fini. But as soon he decrees it, it will take place and it's settled. Vous pouvez comprendre ça? I don't know if you are getting it. Les masques là font que je ne vois pas bien. This nose mask is there, making that I'm not seeing your faces very well. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. I say alléluia. Lève la main à copain. Lève la main. Lift your hands. Ce que tu fais, what you are doing, Dieu à passer des choses sur toi. What you are doing can make God have some other plans in your life. Ce qu'il n'avait pas pensé sur toi au départ. What he has not think about you previously. Tu peux l'amener. You can push God to have more plans with you. Amen. Amen. Vous me suivez un peu? Are you with me? Frère,
Quand nous parlons des récompenses, when we are talking about reward, les récompenses parfois sont des décès en cours de vie. Reward sometimes is when we are still alive. Il n'a pas pensé ça. He didn't think about it. Mais toi-même, is we, à cause de la manière dont tu the le way sais, we are serving him, tu l'amènes. We push God dit, oh, to say, oh, I must do something for this person. Yeah. Job a dit, Job said, ce qu'il a décrété, what il he va has le decree faire. Is going Mais to en dehors de ça, il va concevoir encore d'autres. But beyond this, he's going to make some other plans for me. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. I say alléluia to somebody. Lève ta main. Lift your hands. Au nom tout puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dis encore ce que Dieu a conçu sur ma vie comme dessein. Repeat again what God has planned upon my life. Que les conditions de leur exécution se mettent en place. Let anything that must work for the my les agents de leur exécution se mettent à l'œuvre. Let the agents that must work for me start to work. Ça fait deux choses. Élève la voix et prie au nom This de Jésus. This is two prayer points. Lift your hands and start to pray. Speak to God. Speak to God. Mon frère, parle au nom de Jésus. Speak in the mighty name of Jesus. Insist on this. Parle. Speak to God. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In the mighty Donc, name comme of je le Jesus. Disais, les décrets de Dieu sont des desseins arrêtés, érigés comme loi. As I said previously, decrees of God are what he said and is like a law that is settled now. Bien-aimé, l'élection divine fait partie du décret de Dieu. Divine election is part of decrees of God. Il y a plusieurs thèmes que nous pouvons trouver dans la Bible qui expriment le décret divin. We have so many examples in the Bible that show us divine decree. Un. First. Quand on parle de dessein éternel. When we talk about eternal plan. Yes. Eternal plan. Eternal plan. C'est un dessein non modifiable. Is something that you cannot modify. C'est éternel. Is eternal. Dieu l'a décrété déjà comme God ça. Has decreed it that way. Ça ne changera pas. It can't change. En dehors de dessein éternel. After that. Vous pouvez, quand je parle de dessein éternel, vous pouvez voir ça dans Ephésiens chapitre 3. Ephesians chapter 3, you can see it there. Verset 8 à 11. From 8 to 11. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir, il y a plusieurs passages. We have so many scriptures talking about it. 2 Timothée 2, verset 8 à 10, etc. Beaucoup. Many scriptures are talking about it. Amen. Amen. Donc, vous pouvez voir également le conseil de sa volonté. C'est également une expression qui exprime le décret de Dieu. Le conseil de sa volonté. It's also the advice from his will is also part of decrees. Vous pouvez parler également de sa volonté souveraine. And we can also talk about sovereign will of God. Etc, etc. And so on. Bien aimé, je l'ai dit plusieurs fois, le décret de Dieu est antérieur à la création. I said that the decrees of God came before the creation. Antérieur à l'histoire. They came before the history. Antérieur à notre vie. They came before we come into life. Et comme je l'ai dit, s'il est antérieur à notre vie. If, as I said, if they were before us. Donc, notre élection est alors antérieure à nous. So our election also precedes us. Quand je parle de l'élection pour le salut, l'élection pour l'élection pour we l'élection. We talk about election for salvation, election. Alléluia. Amen. Et si notre élection est antérieure à nous, and if our election precedes us, ça veut dire que ça ne repose sur rien qui dépend de nous. It means it does rien. Not lay on rien. Anything depending Mon frère, on us. Rien. Brothers, nothing. Alléluia. Amen. Exemple. Prenez un exemple avec moi. Psaume 139, verset 16. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Ami. Amen. Doami. Tu comprends ça? Dis Amen. Amen. David dit, ça, David said, ça parle de l'élection. He's talking about election. Ça parle du décret divin. He's talking about divine decree. Antérieur à nous. That precedes us. Il dit ici. He said, quand
je n'étais qu'une masse informe. When I was still void, tes yeux me voyaient. Your eyes were seeing me. Et sur ton livre étaient tous écrits les and jours qui m'étaient destinés. In your book, all the days of my life were written. Très bien. Sur ton livre. In your book. Les jours qui m'étaient destinés. All the days of my life. C'est écrit dedans. Were written. Oui. Déjà. Oui. Amen. Ça va, ça va. Yes. Les jours-là n'avaient pas encore commencé, mais c'est écrit. It has not yet started, but it was written. Ça, c'est la vie des élus. That is the life of the elected. Amen. Amen. Dans Jérémie chapitre 1, in Dieu Jeremiah a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'étais déjà établi prophète. And it avant Jeremiah, même que ta maman ne consente ta grossesse. Before you be conceived in your mother's womb, I have chosen you and established you. Frère, brothers, l'existence humaine. Human existence. Il y a trois types. We have three types. Il dit, la Bible parle dans Ecclésiaste de ceux qui existent et qui ne sont pas nés. The Bible talks about those that exist but they are not yet born. Ceux qui sont nés. Those that are born. Et ceux qui ne sont plus. And those that are no more. C'est les trois existences. This is the three types of human existence. Les gens qui existent et qui ne sont pas nés. Those that exist but not yet born. Ecclésiaste nous dit, ils sont heureux. They are happy. Ils sont les plus heureux. They are happy. Ils sont les plus heureux. They are the more happy. Il dit le plus malheureux, c'est celui-là qui vit encore. They said it's the one that are still living. Et il dit ceux-là qui ne sont plus, qui ont vécu et qui ne sont plus, qui sont passés à l'autre vie. Il dit leur cas est encore mieux pour plus que nous parfois. They said that those that pass away, their case is better than we that are still alive. Donc bien-aimés, ici dans ce passage. So brethren, in this. David affirme que les yeux de Dieu le voyaient avant qu'il soit né. David confirmed that the eyes of God were seeing him before he can be born. Et les jours de sa vie étaient inscrits. And all the days of his life were written. Prenez avec moi 2 Timothée. Let's read 2 Timothy. Chapitre 1 verset 8 à 10. Chapter 1 to 10, verse 1 to 10. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Je suis en train de vous expliquer quoi. Que le décret de Dieu est antérieur à notre vie. I'm explaining that the decrees of God precede our existence. Amen. Amen. Mais il y a de ces desseins qui sont conçus pendant que nous vivons. But there are some more that is making when we are still, when we are living. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1, 8 à 10, vite. 2 Timothée 1, 9 to 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est Paul qui parle ici à Timothée. N'aie pas honte de parler de Jésus. It's Paul that is talking to Timothy. Don't be ashamed of speaking of Jesus. Très bien. Ni de moi son prisonnier. N'aie pas honte aussi de témoigner de moi, le prisonnier de Jésus. Either of me is prisoner. Moi, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Suffer with me for the sake of the gospel. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. By the power of God. Qui nous a sauvés? Who saved us? Et nous a adressé une sainte vocation. Et nous a adressé une sainte vocation. And give us a holy call. Non à cause de nos œuvres. Not because of our works. Mais selon son propre dessein. But according to his will. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. And according to his grace through Jesus. Avant les temps éternels. Before eternity. Vous me suivez bien. Amen. Avant les temps éternels. Cette grâce-là. La grâce d'être appelé pour le salut, la grâce d'être appelé pour le ministère nous a été donnée avant les temps. Before eternity, it means the grace to be saved, the grace to serve as a minister has been given unto us before even we came into existence. Ce n'est pas maintenant. It's not now. Le temps arrive seulement
et ce que Dieu a décrété se met en place. It's only when it's the fullness of time that what he has decreed will start to work. Comment? Et qui a été manifesté maintenant? Et ça a été manifesté maintenant. And it Mais ce n'est pas que manifest. Maintenant que c'est décrété. Ça s'est manifesté maintenant. It's not that it's now that it's going to be manifest, but it has existed before even you start living. Mais frère, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Is God speaking to somebody? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Is anybody understanding si something? Tu comprends, lève ta main et dis-moi If que tu comprends. Understand, leave your hands. Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Is it changing something in your life? Frère, ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui lutte. It doesn't depend of the one struggling or the one running. Mais ça dépend de la grâce que Dieu nous a déjà accordée avant le temps. But it depends of his grace upon our life that precedes us. Mais quand le temps arrive, but when is the fullness of time? La chose pour laquelle Dieu t'a déjà fait une grâce, la chose se manifeste maintenant. Quelqu'un a dit maintenant. When is the fullness of time? What God has planned for you will start now to work. Let somebody say now, now. Frère, si tu comprends ça, tu ne vas pas être en train de pleurnicher de... Frère, écoute, c'est pourquoi Dieu dit, j'ai déjà décrété ça. Si ça t'attend, attends, ça va arriver. So Parce que mon temps n'est pas ton temps. So don't struggle. Ton temps, ça va arriver. Je l'ai déjà décrété. Don't struggle too much. Wait upon the promises because God has decreed it. Wait for the fullness of time for you to see the manifestation. Frère, so wait, wait, wait upon the Lord. Frère, je peux appeler ce que je vous dis la révélation du siècle. Si tu peux comprendre ça, frère, tu ne vas plus lutter inutilement. Non, non. Tu vas rentrer dans le repos de Dieu. I can call what I'm telling you now. Mystery of the sanctuary. If you understand it, you can wait upon Frère, the Lord without struggling. Ma prière, my prayer, brethren. C'est seulement ceci, je l'ai donné tout à l'heure. Les conditions pour l'exécution se mettent en place et les éléments d'exécution travaillent. My prayer for you point, this evening. Point, let, regardé, point, point, point. My prayer for you this evening is this. Let Frère, what must work for your good starts to work and is settled, nothing more. Mon frère, j'ai remarqué quelque chose pour ma vie. I have noticed something in my life. Je l'ai dit, je crois, avant-hier à une dame. I said it yesterday to somebody. À chaque étape de ma vie. In any step of my life. Et pour chaque grande chose que Dieu a faite dans ma vie. And for any great things that he has done in my life. Il a amené quelqu'un sur mon chemin. He put somebody on my way. Il a arrangé les situations lui-même. He arranged situations. Frère, est-ce que je peux prier pour toi ce soir? Can I pray for you, brethren? Les éléments d'exécution. Things that must work for you. Les gens que Dieu va utiliser. People that God must use. Pour faire ce qu'il a prévu pour toi. So that his plan upon your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Où qu'il soit, wherever he is, qu'il te recherche au nom de Jésus. Let them look for you. Frère, non, y'en a dit où est moi, y'en a dit où est moi. Dieu va les amener sur ton chemin. Amen. Je dis Dieu va les amener à ta rencontre. Amen. Parce qu'ils sont les éléments que Dieu veut utiliser pour toi. Amen. Ils vont venir sur ta route. Amen. I said that. What must work for your good to see the fulfillment of God's promises in your head? We start for work for you now in Jesus' name. You will see it. No need to struggle because they will start working for your good. Any element, any human being, any condition that is needed, let it come to pass in Jesus' name. Yeah, there we go. Friend, change attitude. Change your attitude. Alléluia. Amen. Frère, une vieille femme dans une chorale. Votre chorale comme une vieille femme dans une chorale. Brethren, an old woman in a choir. Vieille femme. Very old woman. Le pasteur lui-même ne pensait plus à son mariage. C'est-à-dire pour le pasteur lui-même là, on peut être m'aider à ce coup de quelqu'un qui a perdu even, sa femme. Even his pastor was not thinking that that old woman can still get married. Un jeune homme est venu en stage dans l'église. And one young man came into the church. Un mois seulement. Just 1 month. Quand il a fini son stage, he finished his internship. Il allait voir le pasteur. He went to the pastor. Pasteur, he said, pastor, je veux me marier. I want to get married. Mais j'ai vu dans ta chorale but une I've fille seen in the choir a young plaît. Girl.
young girl. Est-ce que tu peux m'aider? Pastor, can you help me? Le pasteur dit c'est qui? The pastor said, who is the person? Le pasteur pensait que c'est les jeunes filles, les jeunes filles. The pastor was thinking it's one of the young girls in the choir. Mais à l'étonnement du pasteur, le monsieur, le jeune monsieur stagiaire, a dit la dame là-bas. But in the greatest, elle indiquait. But in the greatest surprise of the pastor, it was the old woman the young man pointed to. Quelle indique encore? C'est qui? He said, who is the person? Parce que pour le pasteur, because ça ne peut pas être cette femme. Even for the pastor, that woman cannot be the wife of mais the young quand man. Quand moi j'ai lu cette histoire, j'ai compris que Dieu a amené ce jeune homme en stage dans l'église pour arrêter le célibat de cette vieille femme. When I heard that story, I understand that God raised that young man to break off that celibacy in the life of the old woman. Job a dit, God said, il exécutera ses desseins. Je prie encore pour quelqu'un. L'agent d'exécution, l'élément d'exécution de ce à quoi Dieu t'a élu, où qu'il soit, qu'il vienne sur ton chemin. Job said he's going to execute his plan. I pray again for you. Let anything that must work for your good, any human being, any condition, any element, let it start to work for your good now in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. May God help us to understand. Frère. Brethren. Est-ce que vous savez que il y a des églises à Cotonou 50 ans. Ce que Dieu a fait pour nous ici, ça n'existe pas. Do you know that 50 ans, we have churches here in Cotonou that are existing since 50 years, but what God has done in our church here, they don't have it. Laisse la main à Dieu. Give God the upper hand. Amen. Laisse la main à Dieu. Give the upper hand to God. Frère, écoute-moi. Listen to me, brother. Quand nous étions en train de souffrir, courir partout. When we are suffering, running up and down. Chasser. Looking. Dieu savait. God knew. Et il attendait. And he was waiting. Il a déjà arrêté sa chose. He has decreed. Mais quand le temps est arrivé, c'est arrivé maintenant. Dis maintenant. C'est comme ça pour ta vie. As we were running up and down, God knew that in the fullness of time, he will send somebody. So he placed the person. When is the fullness of time? Is now. Frère, écoutez. Brethren, listen. Il y en a parmi vous là. Some among you here. Je ne vous ai jamais vu aussi motivé. I've never seen you so motivated. Pourquoi? For this. Why? Une heure a sonné et Dieu veut faire quelque chose. When the time of God has arrived, he wants to do something. Les gens ne sauront pas pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire pour toi. Juste parce que une heure a sonné et Dieu veut faire quelque chose. When is fullness of time? When is the fullness of time in your life? People will not know why they are doing this to you. It's just because it's the fullness of time and it's now that it must happen. People will start to walk in that way because it's a decree from God. Frère, écoute, j'ai vu des gens à qui je n'ai rien dit qui m'ont appelé. Tu as besoin de quoi? People that I've never called, they ask me, what do you need? Je n'ai besoin de rien. And I said, I need nothing. Écoute-moi. Listen to frère, me. À partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'à l'eau. N'en de ma aucun de tuer. Nous n'en avons pas l'eau. Mais on a de l'eau tuer. Please. Alléluia. Bien-aimé. Beloved. Je veux te dire. I'm going to tell ce you. Ce que Dieu décrète, il ne manque pas de moyens pour le faire. What God decree, it doesn't lack means to fulfill dis, it. Amen, je vais entendre ta voix. Say amen. Ce qu'il décrète sur toi, il ne manque pas de moyens pour le faire. What he decree upon your life, it doesn't lack means to fulfill it. Frère, les choses auxquelles Dieu nous a élus, things for what he has elected us, sont arrêtées avant le temps. Are settled before the time. Mais se manifestent dans le temps.
births that take place when it's the fullness of time. Dis amen avec moi. Say amen with me. Les choses auxquelles Dieu nous a élus. Things for what he was elected us. Sont arrêtés avant le temps. They are settled before the time. Mais se manifestent dans le temps. But they take place in the fullness of time. Hallelujah. Amen. Autre chose. Another point. Les élus pour le salut. Those that are elected for salvation. Les gens qui sont destinés au salut. Those that are destined to salvation. Le sont avant la fondation du monde. They are chosen before the foundation of the world. Hallelujah. Amen. Let's read Acts 13, 48. Vite. Quickly. Acts 13, 48. Les gens qui sont élus, les élus pour le salut, les gens que Dieu a destinés pour le salut, le sont avant la fondation du monde. The elected for salvation are elected before the foundation of the world. Frère, vous comprenez ce que je dis, hein? Brother, are you understanding what I'm saying? Je ne parle pas des appelés. I'm not talking about the Je call. Parle des élus. I'm talking about the elected. Alléluia. Amen. Frère, à la fin au ciel. At the end in the heaven. Nous verrons deux types de personnes. We have two type of people. Les élus. The elected. Et certains appelés. And some that those that are called. Les païens se réjouissaient. Pagans were rejoicing. En entendant cela. En entendant ces choses. When they listened those things. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. They glorified the word of God. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. And all those that were destined for eternal life believed. Amen. Amen. Les gens qui sont destinés à la vie éternelle ont cru. Those that were destined for eternal life believe. Si vous remontez plus haut, if you will go further, de ce passage, in this scripture, vous allez voir, c'est un moment de trouble, un moment de confusion, a time of confusion. Quand l'apôtre Paul a prêché, when Apostle Paul preached, les gens s'étaient révoltés contre sa parole. Les gens l'ont insulté. People came against the word, insult him. Les gens voulaient même le frapper. They wanted to beat him. Mais dans cet imbroglio, but in that il y a trouble, quelques personnes, some few people, qui ont accepté la parole, accepted the word, et qui ont cru, and believed. Pourquoi? Why? Ils sont élus pour le salut. Why? Because they were elected for salvation. Tu vas voir certaines personnes. You will see some people. Mais qu'est-ce qui peut faire que cette personne va se convertir? Frère, c'est parce que c'est un élu. What can make this person be convert is just because he's elected. Et on n'a pas besoin de t'enseigner pendant 10 ans si tu es un élu pour que tu sois sauvé. You don't need to be taught during 10 years. If you are elected, you will be saved. Et quand rien ne présage ta conversion, tu vas voir qu'un élu, même peut-être une seule phrase, quelque chose se passe dans la vie de la personne. And they don't need great things. It's even when nothing seems to work that they give their life to Christ. Hallelujah. Amen. Frère, la conversion des élus n'est pas difficile. Brothers, the conversion of elected is not difficult. No. No. C'est les faux frères dans l'église qu'on prêche pendant 300, 400, 500, 10 ans. It's for fake brothers that we preach 5, 6 years before they can repent. Dieu soit loué, quelqu'un m'a parlé hier, quelqu'un m'a écrit plutôt hier, pour dire papa, vraiment tes messages m'ont troublé. J'ai vu que je suis comme un faux frère. Et j'ai décrit. Les gens qui sont là, on les appelle frères, mais ils n'ont rien qui fait un enfant de Dieu. Praise God. Yesterday, a brother sent a message to me saying that I am really troubled by your messages because I can see that I am not a brethren in the body of Christ. I'm a fake brother. Yes. J'ai prié, j'ai dit frère, si quelque chose se passe dans ta vie, c'est que peut-être le temps est arrivé pour que tu changes de statut. So I told him that if this message is troubling you, it means it's time for you to change your statue. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Que les gens qui sont dedans, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qu'on appelle frères, que vous puissiez devenir vraiment enfants de Dieu. Those that among us that are not yet
children of God. Let them repent and become alors, true children on va of God. Vous appeler faussement frère. So we are not going to call you again fake mais brothers. Vous serez réellement frère. But you really become a brother amen. In Christ. Prenez Ephésiens 1, verset 4. Ephesians 1, 4. Vite, vite, vite. Quickly. Ephésiens 1, 4. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. En Jésus-Christ, Dieu nous a fait quoi? Élu quand? Avant la fondation. Quand nous avons cru? Non. Pendant notre foi? Non! Avant la fondation du monde. In him you were chosen before the foundation of the world. Alléluia. Before the avant foundation. La fondation du monde. Before the foundation. Mais quand le temps est arrivé, that is in the fullness of time, notre salut s'est manifesté. That our salvation become manifest. Mais nous sommes élus pour le salut. But we are chosen for salvation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Somebody is with me. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit que le royaume de Dieu est préparé pour les élus avant la fondation du monde. Jesus said that the kingdom of God is prepared for the elected before the foundation Matthieu of the world. Matthieu 25. Matthieu 25. 34. Vite, vite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Mm-hmm. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Mm. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Amen. Prenez possession de quoi? Du royaume qui vous a été préparé, pas maintenant, mais avant la fondation du monde. Take possession of the kingdom that was prepared for you before the foundation mais of the world. Le temps va arriver où ce que Dieu a préparé pour nous avant la fondation du monde, nous allons entrer en possession de ça. Time will come when what God has prepared for us before the foundation of the world, we are going to possess it. Je vous demande de lire ce à qui le roi va dire ça. C'est à qui Dieu va dire ça. Alléluia. Frères, les élus, vous allez voir, les élus sont des gens également qui sont vraiment plongés dans les œuvres. Frères, je n'ai pas vu un vrai enfant de Dieu qui est cupide. Un vrai enfant de Dieu qui n'abonde pas dans les œuvres. Non, c'est faux. C'est brothers, faux. Those that are elected, they are deeper cupide. Into the work merci of God. Dieu. They don't have the love of money. What they possess is not because of the lack of money, no. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Les élus sont sensibles, comme Dieu est sensible. On n'est pas encore arrivé là-bas. The elected are very sensitive as God is sensitive. Quelqu'un qui est dur est sensible aux besoins des gens. Frère, écoute-moi, je n'ai pas un enfant de Dieu. Brother, somebody that is heartless is not a child of God. On cherche, on cherche, on cherche. Mais on ne veut pas faire. Frère, ce n'est pas un enfant de Dieu. Somebody with a heartless heart is not a child of God. Alléluia. Autre chose, le décret divin est inconditionnel. Divine decree are unconditional. Alléluia. Le décret divin est inconditionnel. Divine decree are unconditional. Je l'ai déjà dit, ça ne dépend pas de nous, ça nous précède, c'est inconditionnel. I said it, that does not depend on us. Autre chose, le décret de Dieu est immuable. It doesn't change. C'est immuable. Is unchangeable. Isaïe 41, verset 46, verset 11. Isaiah 46, 11. Le décret de Dieu est immuable. Ça ne change pas. Decrees of God are unchangeable. Quand Dieu décrète une chose, when he decrees something, cette chose est irréversible. He can't change it. Dieu dit, c'est irréversible. He can't change it. Ce que Dieu décrète, what he decrees, est irréversible. He can't change it. Bien aimé, écoute, lève-toi sur tes pieds. Listen, please stand up on your feet. Lève-toi sur tes pieds. Stand up on your feet. Amen. Amen, amen. Amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Can you stand on your feet, please? Amen. Écoute. Listen. Sur ta vie, il y a un décret divin. Il y a un décret divin. Upon your life, there is a divine decree. Qui comprend plusieurs éléments. That has many branches. Il y a le dessein de Dieu. We have plans of God. Sous forme de décret. As decree. Et il y en a qui ne sont pas sous forme de décret. And others are not decree. De la même manière, sur ta vie. Same way on your, upon your life. Satan a également ses desseins. Satan also have his plan. Il a ses résolutions. He has his plans. Les méchants, tes ennemis. Your enemies, the wicked ones. Eux-mêmes, ils rêvent quelque chose sur they toi. Have also ils veulent plans. Entendre quelque chose t'arriver. Ils veulent voir quelque chose t'arriver. They want things to happen in your life. Et parfois, ils travaillent pour. And they even work for those things to happen in your life. La Bible dit notre Dieu
va anéantir les desseins des méchants. And the Bible said that God is going to cancel the evil plans of the wicked. Frère, écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Listen to me from now. Les desseins de Dieu sur ta vie subsistent. May the decree of God upon your life be fulfilled. Frère, ton problème. Brothers, your problem. Ne va pas changer ce que Dieu a décrété sur toi. Will never change what God has decreed upon your life. Mais ce que Dieu a décrété sur toi va te faire sortir de ton problème. But what God has decreed upon your life is going to take you out of the problem. Le vent qui souffle comme toi. The winds that is blowing you. Ne va pas changer le décret de Dieu sur ta vie. It's not going to change the decrees of God upon your life. Mais le décret de Dieu sur ta vie. But the decrees of God upon your life. Va arrêter le vent qui est en train de souffler. It's going to stop the winds that is blowing. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Frère, la lutte des gens contre toi. La lutte des gens contre toi. What are people are fighting you? Ne va pas changer le décret de Dieu sur ta vie. It's not going to change the decrees of God upon Mais your le life. Décret de Dieu sur ta vie. But the decrees of God upon va te your donner life. La victoire sur ce qui te combat. He's going to give you victory upon this fight. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Are you with me this evening? Oh, ils sont contre moi. Oh, ils ne veulent pas me sentir. Forget about. Oublie-le. Oublie tout ça. Forget about them. Lève ta main. Lift your hand. Tu vas élever ta voix et prie avec moi. You are going to pray with me. Les desseins des méchants. The wicked plans. Les desseins des méchants. The plans of the wicked. Ce qu'ils ont arrêté sur ma vie. What they have planned against ce me. Ce qu'ils ont planifié sur ma vie. What they have planned against et me. Et sur la vie des miens. And in the life of my loved ones. Ce soir, au nom de Jésus le Rédempteur, je les renverse totalement. Je les renverse totalement. Amen. Je les renverse totalement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, renverse les desseins de l'ennemi. The evil renverse, the renverse, enemy renverse, my renverse. Life. I pull them down. Les pull desseins them down. De l'ennemi. Pull them down. Les desseins du diable. Pull them down. Les desseins du diable de ses agents. Pull them down. Pull them down. Pull them down. La vie des frères, la vie des sœurs est renversée, 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 I pull it down. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. La Bible dit ici. Alléluia. Prêt pour finir. To round up. Il anéantit. Alléluia. Les projets des hommes rusés. He cancels the wicked plan of the wicked. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. And their hands cannot fulfill it. Il prend les sages dans leurs propres ruses. Et les desseins des hommes artificiels seront renversés. Their plan is going to be pulled down. Je lis Job 5, 12 à 13. Job 5, 13. Mon frère, lève la main. Lift your hands. Les desseins des artificiels, les gens rusés, les gens déguisés. The corny people, those that are corny. Ce qu'ils pensent en eux sur toi. What they are thinking. Au nom about de Jésus, que cela soit renversé au nom de Let their thoughts be pulled down. Leur attente sur ta vie. Leur complot sur ta vie. Their expectation upon your leur résolution sur ta vie. What they have planned. Leur décision sur ta What vie. They decide against leur you. Préparation sur ta What vie. They prepare against Et you. Sur la vie de tes bien-aimés. And in the life of your life. Ce soir, que cela soit renversé au nom de Jésus. S'il y a quelque chose comme dessein qui va tenir et s'exécuter sur ta vie, que cela vienne d'en haut au nom de Jésus. If there is something that is going to subsist in your life, let it be the plan of God. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Mais je prie pour quelqu'un à partir de ce soir. I pray for somebody this que ta vie commence à se passer
comme Dieu l'a préparé d'avance. May you spend your life au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est ça la réussite, c'est ça le succès. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Ce que Dieu pense en lui sur toi, que cela se passe ainsi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et accorde la manière dont tu le sais, que Dieu multiplie ses desseins sur ta vie au nom de Jésus. Because of the way you are serving God, let Him make other plans for you. Let now all the evil plan be cancelled in Jesus' name. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Be blessed in Jesus' name. Prie que tes craintes disparaissent. Put aside all your fears. Be focused. Be focused. Amen. Amen. Sois focalisé sur Jésus. Be focused. Marche avec lui. Walk with Him. Il fera de grandes choses avec toi. And He's going to make great things with you. Amen. Say Amen. Prends ton offre.